Sanary en musique, un nouveau festival de musique classique s'est monté dans le sud, Sanary-sur-Mer, petite commune du Var. Pendant 5 jours, la musique va se déployer dans la ville, sur des placettes, sur le kiosque du port, avec de jeunes artistes issus des plus grandes écoles européennes. Nous pouvons faire cet événement grâce à l'association Fractal, qui est une jeune association sanarienne. Le but est de diffuser la musique classique dans tous les endroits où elle ne va pas, de la démocratiser, d'aller chercher de nouveaux publics. Classique est un langage universel, mais qui semble un petit peu en perte de vitesse en dehors des grosses structures. L'idée est donc d'aider les jeunes artistes à jouer partout, à jouer, à diffuser leur art. Moi, c'est Ludo, violoniste du Quatuor Yako. On est très heureux de se joindre à l'association Fractal cet été, qui a pour but de transporter la musique là où elle ne va jamais, de la démocratiser et de la partager avec tout le monde. J'étais très enthousiaste de répondre à l'invitation de Françoise Néry pour son festival Sanary en musique, car outre le fait que j'adore jouer avec cet altiste de renommée internationale, ce qui nous relie davantage, c'est l'idée d'ouvrir la musique à tous. On a apporté notre musique dite classique auprès de chacun. Je remercie vraiment la mairie de Sanary de nous avoir permis cette première édition. Ce moment privilégié est déjà en train de s'enfuir. Nous avons vécu des moments exceptionnels d'échange et de partage entre de jeunes musiciens et des professionnels. Je n'ai qu'une chose à souhaiter, c'est que de tels moments puissent se pérenniser et puissent être soutenus par tous les acteurs de la vie économique, sociale et culturelle.